Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo avec Gran Turismo Import et il est venu me voir avec ce petit van Nissan. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. On va vous montrer tout de suite ce que c'est. Il a un moteur déjà, vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Les amis, je vais vous parler quelques petites secondes du sponsor de cette vidéo qui est Car Vertical. Pour ceux qui ne connaissent pas, regardez, j'ai dégoté un rapport exemple pour vous montrer exactement ce que vous êtes susceptible de trouver dans un rapport Car Vertical. Vous avez des alertes quand il y a un problème et ça se décompose de cette manière. Regardez, on peut voir que le véhicule a été fabriqué en Allemagne, qu'il a été immatriculé en Pologne et examiné en Lituanie. Le véhicule aurait même été déclaré volé. Je vous rappelle que c'est un exemple. Ça peut vous indiquer si la voiture a été utilisée comme voiture de location dans un pays. Vous avez une visibilité sur le kilométrage du véhicule, vous voyez par exemple celui-ci a été tombé de 155 000 à 136 000, ça peut vous indiquer également si le véhicule a subi des dégâts, et si vous tombez en face d'un vendeur peu scrupuleux, il vous le dira pas forcément, et la Rolls de l'information reste donc les photos de l'accident. Ici on voit bien que la voiture a pris un gros tarif. Je vous mets un code promo dans la description de cette vidéo avec 10% de remise sur votre prochain rapport, et maintenant place à la vidéo. Anthony, pour ceux qui ne te connaissent pas, patron de Gran Turismo Import qui importe ce genre de véhicule justement qui m'a amené aujourd'hui, je te laisse me présenter le bébé qu'on va leur présenter. Eh ben bonjour à tous, aujourd'hui on vous présente un engin assez atypique, donc c'est un Nissan L-Grand. C'est la première fois qu'on fait un van d'ailleurs avec toi. C'est un van mais qui mérite à être connu. Bon, on est déjà sur un van qui est volant à droite forcément, ouais, puisque ça vient de chez toi. Explique-moi du coup un petit peu où est-ce qu'on peut retrouver ce type de véhicule, parce que j'en ai jamais vu en France déjà pour commencer. Alors ça, les vans sont très prisés au Japon, hein. Ils en ont énormément. Pour eux, il y a tout type de vans, donc il y a les vans entrée de gamme, des vans de luxe. Ça, je dirais que c'est un milieu de gamme, très bien optionné. En termes de gabarit, c'est les plus gros? Oui, après on passe vraiment sur du fourgon, mais là on est sur du gabarit trafic, je dirais. Ouais, c'est ça un peu. C'est un Vito même, voilà, c'est un Viano. C'est un gros engin qui fait quand même 2 tonnes 100 à vide. Ah oui, d'accord. C'est un beau poids. Ça, c'est axé vraiment sur le transport. C'est vraiment génial. Donc on va regarder les options qu'il y a après dedans. Donc ça, c'est un van qui est 8 places d'origine. On va perdre des places à l'homologation malheureusement. Ça va être homologué probablement 6 places. Donc il vient juste d'arriver du Japon. Ouais, il est tout frais, ouais. Il y a encore les écriteaux du Havre et tout. On a fait un petit check-up avant bien entendu de l'amener en essai. Donc les 2-3 dernières finitions sont pas encore faites. Celui-ci donc existe en plusieurs motorisations. Là on a pris la plus grosse motorisation. Forcément. Alors, sous le capot, il y a un VQ35 DE, donc un 3,5 litres de Nissan 350Z. C'est exactement le même. Exactement les mêmes. C'est exactement le même. Oui, c'est les mêmes, oui. Un petit peu dégonflé. Dans le van, il sort 240 chevaux. Ce qui permet de bien se déplacer déjà. Et celui-ci, il est 4 roues motrices. Là, on est sur la transmission. Donc c'est une boîte automatique. D'accord. En mode séquentiel aussi, on peut le changer au levier. Et donc, 4 roues motrices sur celui-ci. Débrayable en 2 roues motrices. Donc voilà. Donc c'est génial. C'est vraiment un super concept. Et il a surtout un kit carrosserie qui est pas commun. Qu'est-ce que c'est que ce kit carrosserie? Ça va vous étonner, mais c'est d'origine. En fait, celui-ci, il a ce qu'on appelle le pack Rider. Ok. Le pack Rider, ça inclut le kit carrosserie complet. Donc, il est désiglé Nissan devant. Il a le kit agressif avec la lame et tout. Et il a un échappement spécifique qui a été fait par Fujitsubo. D'accord. C'est vrai que la calandre, elle est énorme. Voilà, c'est vraiment le pack esthétique qui est complet. On voit que c'est un kit Jap, hein, de toute façon. Hein, ouais. Rien qu'au pare-choc, déjà, au rajout de pare-choc, tu sens tout de suite que c'est du japonais. Ça aussi, hein, c'est typique des voitures japonaises. Là, on voit marqué Rider. Ok, bon, sur le latéral, ça va encore. Il y a les bas de caisse, mais c'est pas trop prononcé. Et là, l'arrière, par contre, c'est vrai qu'il est juste magnifique. Voilà. Il est juste magnifique avec l'aileron et tout, ça tue. Et l'échappement sur mesure. Ouais. Tu vois, Fujitsubo qui s'intègre parfaitement dans le kit carrosserie. C'est excellent. La bande de feu arrière à LED qui est superbe. Ouais, ça, c'est joli. C'est vraiment, hein, génial. Quelle année? Celui-ci, c'est un 2003 ou 2004. Ah, donc il a déjà 20 ans quand même, et voilà. Il y a déjà les feux à LED et le reste. Ouais. C'est marrant. Et le logo Infinity, du coup, d'ailleurs, ça, c'est d'origine? Ça a été rajouté, ouais, d'accord. Japonais. Et du coup, ça a été fait aussi par Potec. Voilà, pour le Potec petit, qui est spécialisé dans les Nissan. Voilà, ouais. Dans tout ce qui est Nissan modifié. D'accord. Voilà. Excellent. L'arrière, vraiment, je m'écarte encore un peu, mais... On va essayer d'ouvrir le coffre, faisant en sorte que rien ne tombe. Parce qu'on a fait les courses à l'instant. Voilà. Ouais, c'est bon. Le coffre. Il y a 3 rangs. Les sièges arrière, tout est modulable. On va présenter l'intérieur après. Ah, c'est excellent. Voilà. J'adore. J'aurais tellement pu en fait acheter ça moi comme daily. C'est typiquement ma cam, c'est typiquement ce que j'aime. C'est pratique, il y a des options, c'est fiable, mais l'intérieur, vous n'êtes pas prêt, c'est abusé. Ouais. Celui-ci,
il est bien optionné, il a les doubles toits ouvrants qu'on vous montrera. Ah oui, on va voir, ouais. Et il a les portes latérales aussi électriques. Ce qui est assez génial. Voilà. Ça, c'est excellent. Tu peux regarder les toits ouvrants sont vraiment... Ouais, l'arrière est en plus beaucoup plus grand que celui de l'avant. Mais ouais, il y a deux toits ouvrants. On est accueilli par une grosse banquette en cuir. C'est trop fort. La place que t'as pour mettre les jambes, là, c'est... Pour vous donner une idée, hein, quand on rentre, regardez, je m'installe à bord. Voilà. Et tout est modulable. Je suis hyper bien calé. Ah, c'est trop bien. Les petits écrans plafonniers qui sortent ouais. Là-haut, avec le lecteur DVD intégré. Donc le toit ouvrant, bien entendu, il s'ouvre entièrement. Tu as la caméra de recul et tu as une caméra sous le rétroviseur pour les manœuvres. Ah oui, ça, tu vas me montrer c'est après. Génial, ouais, c'était trop fort, ça. Et là, donc du coup, derrière, on retrouve encore deux grosses places qui ont de la place également pour les jambes. Voilà, qui peuvent se plier pour gagner de la place. Ouais, pour regagner du coffre, ouais. Tu peux tourner les sièges, mais Arnaud, il va te montrer la modularité. Ah oui, parce qu'on a pris Arnaud. Arnaud, c'est le maître modularité. Il connaît les tips du véhicule. Déjà, tu as tous les sièges qui peuvent s'avancer dans tous les sens, clairement. Tu veux de la place derrière, tu avances les sièges devant. Tu veux de la place devant, tu recules les sièges derrière. Enfin, ouais. Tu connais, nous, on est des gros gabarits. On est super bien dedans, vraiment. Et c'est tout pour le confort, cette voiture, en fait. Montre-moi le siège qui... Au milieu qui celui qui communique avec les sièges arrière, que tu peux le retourner, ouais. Bah déjà, il y a le milieu, ouais, voilà. Celui-là, tu peux l'enlever. Attends, on va essayer de montrer, vas-y. Tu peux l'enlever derrière, donc tu bloques. Et même ce siège, c'est même pas un siège, mais cette partie-là, c'est ça, elle est aussi modulable. Donc là, t'as tes portes gobelées, et si jamais, ah là là, je suis trop en arrière, tu tires ça, je peux quand même te l'avancer, quoi. C'est excellent. Et t'as aussi cette partie-là, hop. Si elle veut bien venir. Alors après, c'est un peu comme un Lego, tu vois. Si tu as cette partie qui est là, voilà, tu peux pas mettre celle-là. Ouais. Donc, hop, on va remettre celle-là. Tu as ce bouton pour le plier, mais ça va pas assez loin. Et tu as un autre bouton pour vraiment le plier là. Et pour avoir, ton petit port gobré. Et bien sûr, tu peux quand même le déplacer. Déjà, il y a une demi-heure d'études pour trouver le fonctionnement. C'est clair. Déjà, vas-y, du coup, tu pouvais retourner. Et aussi, alors oui. Tu peux faire une salle de réunion en fait dans ce véhicule, quoi. C'est ça. T'as pas envie de voir la tête à ton conducteur. Tu retournes ton siège. Donc là, t'as, si je dis pas de bêtises. Hop là. C'est trop fort, ça. Et tu peux le faire des deux côtés. Parce que du coup, soit le passager à l'arrière, bah, il peut mettre ses jambes ici, il est parfait. Tu peux dormir dans cette voiture. Ouais, soit en fait, tu peux lever le coffre et prendre ton petit-déj tranquille ici, tu te mets une petite table ou quoi, et c'est ça. Tu peux manger à 4 en face à face, c'est vraiment énorme. Il y a les courses, mais quand tu peux aussi... Reculer la banquette à fond. La reculer ou vraiment l'avancer à fond. Oui, pour gagner du coffre, c'est trop bien. C'est super modulable, quoi, c'est... C'est énorme. Je t'avais, on est bien derrière. Ah oui, oui, oui. Non, bon, on va essayer ça. Hein. On regarde un peu le poste de pilotage à l'avant et de toute façon, après, on va aller essayer. Alors. Déjà, démarrage sans clé. Keyless. Dans la poche. Bon, les portières, c'est des portières avec plein de rangements. Hein. Ça chante bien. Ça chante bien. Donc, si tu veux faire deux vidéos de l'échappement, de toute façon, il est chaud. Ouais, je vais le faire. Ouais. C'est marrant d'entendre le son d'une Z, mais avec un petit V6 un van. Dans le van. Donc là, il y a plein de petits boutons. Donc on peut commander les portes ici, pare-brise dégivrant, les rétroviseurs électriques. Voilà. Le compteur, par contre, il est excellent là. Cette espèce de planche de bord là, comme ça. Voilà. Le volant. Tu as toutes les commandes au volant, Bluetooth. Tu as donc là, caméra de recul, bien entendu. Tu vois, tac. Voilà. Ouais. Et tu as aussi, j'adore, c'est le side blind en fait, c'est la fameuse caméra sous le rétro. Donc là, regarde, si on fait ça, en fait, tu vois, tu tournes le volant, on voit la roue qui tourne. Voilà, donc ça, c'est vraiment génial. Dit, c'était pour voir en fait l'espace du trottoir quand tu le gares en fait. C'est ça. Ensuite, vois, tu peux. Tac. Et là, tu as ton écran qui sort au plafond. Voilà, avec ton lecteur DVD. Voilà, un bon poste de pilotage, quoi. Ouais, il y a van tout ce confort, faut. Ça a l'air d'être même mieux que ce qu'on a en France, clairement. On a absolument tout ce qu'il faut. Tant qu'on est là, on va discuter du coup du tarif. Parce que j'ai fait pas mal de stories sur la page, j'ai eu beaucoup de demandes de tarifs. Pour un exemplaire comme ça, 75 000 km en très bon état général, donc 2 et 4 roues, tu vois, t'as le mode neige, le mode power, t'as donc 2 roues, 4 roues automatiques, ou 4 roues verrouillées. Okay. Pour un bel exemplaire comme ça, il faut compter 15 000 euros homologués. D'accord. Voilà, ce qui est pas forcément excessif. Surtout qu'on n'a pas vraiment d'équivalent sur le marché français. Bah si, t'as le Viano. Ouais, mais un Viano. Mais le Viano, c'est 40, budgets, 50. Ouais, dans ces budgets, on n'a pas grand-chose. Ah non, voilà. Bah avec un moteur V6 et surtout l'arrière aménagé confort comme ça, un Viano, c'est 40, 50 000 euros. Ouais. Ah, moi, je kiffe. Et surtout l'esthétique, quoi. Ouais, la porte électrique. Mais même l'esthétique, ça a une gueule, il n'y a rien qui ressemble à ça en France. Le verrouillage de porte,
verrouillage, déverrouillage avec un bouton quand t'as la clé. Ouais, dans la ouais, poche. Forcément, voilà. Ouais. Et c'était puis, récent quand même, hein, 2003, d'avoir déjà ça. Hein. Après, bon, bien entendu, t'as les phares aux xénon, les anti-brouillards, t'as pas mal de choses. Franchement, faut dire ce qui est pour un véhicule de cet âge-là, 2003-2004, ça reste une. Ça fait pas du tout 20 ans. Hein. Ah oui, non, mais visuellement, voilà. Il a pas 20 ans le van. Hein. Ouais, non, c'est clair. Et c'est vraiment un look qui est atypique. Et c'est vrai, quand on roule, tous les gens regardent, quoi. Oui, j'ai vu tout à l'heure. Voilà, hein, quand on faisait les plans en extérieur, c'était marrant. Ouais. Il y avait des têtes qui se tournaient. Voilà, pour les familles nombreuses qui regardent pour des Renault Espace, des trucs comme ça. Ça, c'est un bon rapport qualité-prix qui est relativement différent. Faut aimer le volant à droite. Voilà, faut pas que ça dérange, mais l'avantage, c'est que c'est en boîte auto. Voilà, donc ça se conduit vraiment encore plus facilement qu'une boîte manuelle. Mais si on fait abstraction du volant à droite, clairement, pour moi, c'est le véhicule ultime. Et c'est quand même ultra spacieux. Ah non, mais voilà, c'est ultime et c'est fiable. C'est génial. Les pièces, ça va, ça se trouve quand même. Tout se trouve. Par contre, après, par Shock Rider, bon, c'est les oui, les ça, sensibles. À la limite, ouais. Mais niveau mécanique, t'as aucun problème. Oui, voilà, les pièces d'usure et tout, il n'y a pas de problème. Et puis ça s'entretient en plus comme un véhicule traditionnel, quoi. C'est vraiment pas un véhicule qui demande beaucoup de choses à l'entretien. Cool. Voilà. Bon, on va tester ça en volant maintenant. Allez les amis, c'est parti, on prend les commandes de ce van, le frein à main, c'est où le frein à main? T'as mis le frein à main? Il n'y a pas mis le frein à main. Allez, on s'évade. Ça m'avait manqué la conduite à droite, encore une fois. Et j'aime bien parce qu'à chaque fois je conduis des véhicules différents. Et là tu vois, un van conduite à droite, bah, c'est la première fois. Je suis très content. J'ai vraiment l'impression d'être dans un Viano ou dans un Vito, mais en mode vraiment plus confort. On a une grande porte à droite là qui nous permet de poser le bras et d'être vraiment confortablement installé. Les clignotants à droite, hein, bien évidemment, comme sur toute voiture qui vient du Japon et pas d'Angleterre. Par contre, ça se conduit vraiment genre bah, tranquille en fait, quoi. On dirait presque un gros 4x4. Tant que tu te retournes pas, t'as l'impression d'être au volant d'un gros 4x4. T'as tout qui tombe sous la main, ça ronronne juste ce qu'il faut pour pas péter les oreilles. En plus, on est sur une route qui est pas forcément en mode billard. Et les amortisseurs sont d'origine là? Non, elle a des tines pilotées. Ah ouais, excellent. Ah ouais, donc les mecs, même sur ce genre de van, ils mettent des pièces tuning, ouais. Quoi, ils me tuent. Ah oui, d'accord, t'as le boîtier qui est ici, voilà, ouais. Tu règles là, en fait. Trop fort. Ouais. Excellent. Ouais, donc le mec qui l'avait avant, il était un peu dans le délire tuning japonais, quoi. Il a collé un badge Infinity dessus, quoi. Oui, et puis de toute façon, si tu prends un avec le kit comme ça, en général, c'est que tu sais que tu recherches ça, quoi, tu veux pas un origine. Et donc, du coup, là, il y a le mode séquentiel de la boîte, on est d'accord, hein. Là, je rétrograde. Ouais, ce que j'allais dire, c'est marqué. Ah oui, 3, ok. Ouais, pour les routes de montagne comme ça, c'est peut-être, tu vois, intéressant d'avoir le mode manuel. Mais je suis étonné comme ça se conduit bien. C'est marrant. Hop. Ah, c'est trop drôle. C'est une espèce de minibus, quoi. C'est tranquille. Bah, dans les virages, ça vire à plat, quoi. Oui. C'est pas dégueu, hein. Non, ça vire plus à plat qu'un 4x4, voilà, comme on délit ou quoi. C'est vraiment top. Honnêtement, c'est vraiment top. Ça se conduit sans se fatiguer. La direction, elle est précise, il me rétrograde pour que j'accélère. Je vais le mettre en drift, hein. Mais c'est quoi, c'est ici pour le mettre en drift? Non. Non, pas envie. Non. Oh, bah en plus, ça a l'air de bien se déplacer. On va attendre d'avoir un petit peu plus de place. Ouais. Il a rétrogradé, là, il a fait le kickdown. Il y aurait des lignes droites après. Ouais, bah voilà, nickel. Le gros écran, ça c'est cool parce que tu vois, l'écran, il est orientable. Alors, je sais pas si tu peux mettre un film ou quoi, mais genre quand t'es tout seul, bah t'as ton écran devant toi, je pense que c'est plus pour quand t'es à l'arrêt. Parce qu'au Japon, vous savez, là il y a le bouton télé, ils ont la télé en fait dans les véhicules. Donc je pense que quand t'es à l'arrêt, que tu dois attendre tes clients ou quoi, tu t'orientes l'écran vers toi et tu peux regarder la télé tranquillement. Le propriétaire, il va se régaler avec ça en vrai. Hein. Ouais. Tu as un petit bout de ligne droite, on kick down. Bah, c'est pas transcendant. Mais ça fait le taf, quoi. Je veux dire, pour un van de 2 tonnes, ça va mieux qu'un petit 4 cylindres comme on peut avoir chez nous en Europe, quoi. Ça va, il est pas encore trop hurlant, le V6, j'ai l'impression. Il reste quand même assez discret. On va le passer à l'UTAC avec cet échappement. Je veux pas m'avancer, mais je pense qu'il passera du premier coup. Ah ouais, tu penses? Ouais, parce qu'il il reste quand même assez silencieux dans la ouais. plage de test. Et ça reste de la norme JASMA. Donc la norme JASMA... C'est ouais, la norme d'origine, c'est ça, ouais. En fait, voilà, comme c'est la sur norme HKS, homologuée au Japon. D'accord, ouais. 3 fois sur 4, ça valide du tac. Ah, bah nickel. Et donc, du coup, j'ai remarqué tout à l'heure, lecteur de mini-disques. Ouais, ça, c'est très courant au Japon. Exceptionnel, par contre. Très, très Parce que, comme disait Nono, les mini-disques, ça a duré quoi, 3 ans, il me disait.
Ouais, mais au Japon, il y a un lecteur mini disque, quoi. Japon, c'est incroyable. C'est très très prisé les mini disques. Hein. C'est juste que chez nous, ça a pas marché. Ça a duré plus longtemps chez eux, ouais. Ah ouais. C'est trop fort. Donc lecteur CD, lecteur mini disque. Exceptionnel. Ouais, parce que 2003, c'est les époques où les mini disques, on était dedans, ouais, c'est ça. Je me souviens, j'avais mon petit lecteur avec, t'avais 10 albums dedans, t'étais le roi du pétrole. C'était vraiment trop bien. Comme les téléphones à clapet, tu sais, au Japon, ça marche encore bien. Ah, bah les téléphones à clapet, bien sûr. Ouais, j'adore ça. Ah, bah oui, bah, c'est ça. Même en France, moi, honnêtement, j'aurais été du genre à en racheter un. Hein. C'est alors, trop bien. C'est l'iPhone 14. C'est leur délire à fond, ouais. J'aime bien parce que je pourrais bouffer des bornes, tu vois, là. Je me sens vraiment bien. Ça se conduit, mais alors super bien. Alors, pour ceux qui veulent en acquérir et qui ont peur du volant à droite, je vous le dis tout de suite, c'est dans la tête. Regarde, le volant à droite, t'as juste à serrer, voilà. Tu serres un petit peu le bas-côté et tu sais que ça passe à gauche. La boîte, tu le mets en drive, tu ne t'en occupes plus. La position de conduite, ben, comme t'es dans un van, ben, que t'es pas habitué forcément à conduire un van, ben, tu réapprends, entre guillemets, à conduire. Mais honnêtement, voilà, regardez, c'est la première fois que j'essaye un van en conduite à droite. Ben, je suis pas un pilote international de renommée, donc j'y arrive. Donc n'importe qui peut y arriver. Le gabarit, c'est pas beaucoup plus large qu'un gros 4x4 style ML ou quoi que ce soit. Ça se conduit vraiment super bien. Regardez, une voiture arrive en face, est-ce que je vais me la prendre? Non. Voilà, donc je sais conduire à droite, donc tout le monde est capable de conduire un van à droite. Pour ceux qui hésitent, faites des devis chez Anthony, vous lui envoyez un mail, vous le contactez via sa page Facebook, Insta ou quoi, et vous lui demandez des devis, sachant qu'il peut avoir donc du Nissan, du Honda, du Toyota. Il n'y a pas que Nissan qui a fait des petits vans comme ça. J'espère que tu en importeras d'autres, parce que comme ça, du coup, je pourrais les tester et les comparer. Moi, j'espère vraiment qu'un jour, tu auras un client qui t'importera un Alphard ou un Velfire. On vient d'en faire un d'Alphard. Ah, tu viens d'en faire un? Ouais. Ah, mais tu me le disais pas, ça, par contre. C'est un hybride qu'on a fait, un 2.4 hybride. Bon, en vrai, je veux bien l'essayer. Hein. Ouais, c'est 125 chevaux. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pour l'intérieur. Parce que comme je suis vraiment gros fan de Toyota Alphard, en fait, ces véhicules, je les ai connus à travers mes voyages en Thaïlande. Et ben, j'ai quelque chose avec ces Alphard ou Velfire. Et c'est la même chose que ça, mais chez Toyota, il y a eu des 3 litres 5 V6, il y a eu des 4 cylindres. Donc là, c'est un 4 cylindres que t'importes. Je suis très curieux de venir le voir quand tu vas le recevoir. Mais en tout cas, voilà. Et c'est atypique d'un van Nissan Elgard. Elgrand. Essai d'un véhicule atypique, un van Nissan Elgrand. Donc je suis très content de l'avoir testé en plus avec le moteur de la Z. Tu m'as laissé qui compte l'âge de la R30 en vidéo, donc celle-ci. Ah, bâtard. Raté, tu l'écouteras pas sur ta vidéo. Je sais pas, on verra. Anthony, écoute, je propose qu'on l'encule. Non, mais ta gueule, putain. Oh putain, le montage va être horrible. Bon Anthony, je propose que je te laisse le volant maintenant, je vais passer derrière. On va voir un petit peu comment ça se déroule au niveau de l'arrière de ce véhicule. Tu prends le volant et moi je passe derrière avec Nono et on va découvrir ça. Ça marche. Donc du coup, on s'arrête en P. En P, frein à main au pied, on enlève la ceinture. Je vais aider votre chauffeur. Oui, allez-y monsieur. Et dépêchez-vous. Hop. Et du coup, porte électrique, voilà. Et tu ouvres et il y a un nono. Bonjour. Allez-y, je vous en prie. Tac. Les amis, je vous retrouve à l'arrière du coup de ce van Nissan. Ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est hyper bien installé. Bon, on a un conducteur, je sais pas, on verra ce qu'il donne. On verra s'il nous conduit dans le plus grand des conforts. En tout cas, niveau place, on est très bien. Je suppose que toi aussi à l'arrière, t'es plutôt pas mal. Très très bien. C'est marrant les petites LED derrière toi là. Ça, c'est pas d'origine ça. Non. Mais bah, c'est stylé. Tout. J'aime beaucoup. C'est génial. Et t'as un petit interrupteur au pied conducteur pour les... Ah ouais. Quand tu éteins. Ah bah après. Ah. Tu vois, ça te fait. Comme ça, tu te fais la petite ambiance. Tu peux fermer devant toi, s'il te plaît. Eh ouais, tout de suite. Là, c'est de l'ambiance nuit, un petit peu plus. Ah ouais, super ça, sympa. Ça doit être vraiment cool de nuit. Ouais, j'avoue. Ouais. Ah, mais il y en a même au pied. Regarde, là il nous a ouvert le toit au vent. Bien énorme. Tu peux sortir, t'as de la place. Ah oui, mais j'avoue, mais attends, j'ai envie de faire un truc. Ah, mais tu peux la mettre ta tête là. Eh, regardez si c'est pas le véhicule le plus ultime. Et hop là. On est pas bien là, sérieux, dans ce van. On referme le toit. Mais il est vachement fat le toit ouvrant par contre, hein, c'est abusé. Hein. Eh ben ça va vraiment bien. En vrai, pour taper des bornes, putain, j'aurais aimé avoir ça, je te jure, faut tracter la Corvette, mettre les roues à l'arrière, le matos, les deux collègues derrière. Dormir dedans. Ouais. Oh putain, ouais, tu peux là. Tu peux largement. Hein. C'est vraiment très très bien. T'as vu la place, moi? Oui, t'as vraiment beaucoup de place. Ouais, ouais. Et j'ai de la marge. Mais on peut reculer là, la banquette encore? On peut reculer là. Et le dossier, on peut l'incliner? Oui. Ah oui, j'avais. Oh là là. On est pas bien là. Et est-ce qu'on s'est pas mis super bien là par hasard? Bon, la ceinture. Ouais, je sors plus rien là. Mais alors, franchement, on est vraiment trop bien, j'avais pas capté. Centre-ville, les gars.
Ah, t'es génial. Ah, c'est génial, ouais. C'est trop cool. Eh ben, y a pas à dire, Arnaud. T'as fait un bon achat. Hein. Tu vas te régaler dans ce petit van. C'est vraiment incroyable. Et félicitations à toi encore d'avoir importé ce genre de véhicule en France. C'est le seul de France, d'ailleurs, Anto. Alors, à ma connaissance, c'est le troisième. D'accord. En Outtech Rider. En Outtech Rider, c'est le premier. D'accord. Les deux autres n'ont pas le kit. On pas le kit. D'accord. Bon, ben, nickel, ça. Parfait. Les amis, sur ces belles paroles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous le savez, j'adore vous faire découvrir ce genre de véhicule atypique. Merci encore à Anthony Fort. Abonnez-vous à ses réseaux pour suivre justement tous ces petits imports qui nous ramènent à chaque fois les plus rares les uns que les autres. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut! Oh! De quoi? Ils ont le bois. Le bois? Le bois! Le bois! Le bois! Le bois! Force de barbecue! Ah, c'est bon. Manger, manger! Je te dis, qu'est-ce qu'ils ont les hautes? Elles ont le bois. Je me suis dit, c'est quoi les garnitures intérieures ou...